Partage, générosité, espoir. Et tout ça, c'est grâce à vous. Partage, générosité, espoir. Espèce de sorcière. Espèce de vieille sorcière. Excusez-moi. Espèce de vieux sorcier. Partagez quoi? À toi le goût, à nous l'odeur, c'est le genre de partage dont tu veux faire, dans ton luxe, dans ton à manger ton caviar, à boire vos vins et tout, et elle ose parler de partage, il ose de parler de partage. Va vendre ta vaisselle. Est-ce que tu as vendu ta vaisselle? Il y a des enfants qui meurent. Tu as piqué d'eux, mais tu vas pas aller vendre ta vaisselle? Non, tu vas garder ta vaisselle, ta vieille perruque là, qui te coûte combien? Tu vas pas aller la vendre? Tu aimes tant les enfants que ça? Oui. Pour d'autres raisons, peut-être que tu aimes les enfants. Certainement pas pour leur bien, n'est-ce pas? Va vendre ta perruque, va vendre ta vaisselle, renonce à ta chirurgie, renonce à ton maquillage et à tous tes frais. On t'a augmenté de combien? C'est quoi ton salaire? Ça, tu partages pas, n'est-ce pas? T'as largement de quoi bouffer, t'as largement de quoi dormir, mais t'as des sous de côté et vous pillez. La générosité, pour qui? À qui tu demandes la générosité? Il y a ton mari, là, il a combien de côté? Tu lui demandes la générosité? Il est où son chèque? Ton chèque à toi, il est où? Les Bolloré et tous vos milliardaires là du 440 ou je ne sais quoi. Tu leur as demandé à eux? C'est vers nous que tu te tournes? Après nous avoir pillé, augmenté l'essence, enlevé les acidiques, faire la réforme du RSA et toutes ces conneries-là, c'est vers nous vous nous tournez pour demander de l'argent? Tu veux des pièces jaunes pris aux pauvres pour donner à des enfants malades? Mais toi, tu ne donnes rien. Espèce de... même pas sorcière, sorcier, c'est gentil. Vous êtes d'un cynisme, et je le dis, on dirait des diables, les mêmes pleins de sang, qui viennent parler de générosité. En un mot, elle en dit trois. Et si on devait remettre les choses en place, on dirait cynisme, cruauté et satanisme. Maintenant, les gens, je vous le dis en toute sincérité, d'accord? En toute honnêteté, en toute transparence, je vous parle aussi clairement que je peux le faire, d'accord? Il y en a marre de ces euphémismes quand on veut les qualifier. Il y en a marre de ces mots gentils que l'on entend parce qu'on n'ose pas dire les choses alors qu'il se passe des choses qui sont d'une gravité, d'une cruauté, d'un sadisme qui dépasse l'entendement. Vous comprenez qu'il y a des gens qui ont le pouvoir, qui sont en train de nous regarder mourir en buvant leur champagne. Et nous, de notre côté, on a peur de faire un petit peu de bruit, de parler trop fort, d'oser traiter ce genre d'individus d'ordures. Ce sont des ordures. Je ne suis pas mauvais quand je dis cela. Il y a des gens...